De la bière. Et de la bière qu'on sait pas comment qu'elle s'appelle parce que c'est nous qu'on l'a fait cette année. Il y a de la bière au festival, oui, ça, il y en a même beaucoup. Voilà, je voudrais bien prendre une bonne cuite s'il vous plaît. Il y aura du rhum cette année, ni vodka ni whisky. S'il y en a, je préfère le whisky. Whisky. Orange, peut-être. En réfléchissant bien. Orange. Mais quand même, je préfère. Le rhum, c'est le rhum. Ça. Mais j'aime bien la vodka. Eh ben, cette année, pour la première fois depuis son existence, le festival brasse sa propre bière. Mais je pense pas qu'on soit un festival de pocherons pour autant. Ah oui, pardon. Il n'y a pas que la bière. Dans la vie, il va y avoir un super bar à vin. Je sais pas trop où il va et tout, mais je sais que des fois, il part loin pour aller chercher voilà, des super vins. Je les ai pas encore goûtés, mais je pense que ça va pas tarder. On partage des choses ensemble, on voit quelque chose. Voilà, c'est ça qui est chouette aussi. Et il n'y a pas que le vin, bien sûr. Il y a plein d'autres trucs. Il y a des sirops, il y a des jus de pommes. Je pense pas que c'est trop l'ambiance coca frites, pour être honnête. Il y aura sûrement des frites à un moment donné ou un autre quelque part sur le site. Ouais. Je pense qu'il va y avoir des crêpes. Je ne pense pas qu'il y aura de crêpes cette année parce qu'il n'y aura pas Lola. De la super kefta, avec de la viande du coin, du pain du coin, des produits du coin. Une super asso qui s'occupe de ça. Donc ce sera des sandwichs révolutionnaires d'un avenir incertain. On a un boulanger au Vlémar qui s'appelle Joël Alpiste. Ouais, on en a qu'un, mais il est très gentil. Il fait des très bons croissants beurre avec du beurre. Il fait une fougasse d'aigues mortes qui a délice, une tuerie. Je suis originaire du Gard, donc je ne vais pas en parler. Un paquet de chocs à pic, du lait, du sucre, c'est gérable. Et de la bière qu'on sait pas comment qu'elle s'appelle.